Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons toujours dans notre formation LibreOffice Writer, on va poursuivre cette fois-ci pour parler de l'orientation et du format de votre page. Donc par défaut, lorsque vous ouvrez LibreOffice Writer, vous êtes sur une feuille standard A4 au format portrait. Alors qu'est-ce que le format portrait pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là? Donc le format portrait, eh bien, c'est cette présentation de la feuille de manière verticale, voilà, dans le sens de la longueur. Donc on peut changer cette orientation, donc pour cela il suffit d'aller dans format et on va changer tout ça dans style de page. D'accord? Et ici dans l'onglet page, vous avez tous les réglages qui vous permettent de pouvoir changer l'orientation et le format de votre page. Donc par défaut, comme je vous disais, on est sur un format A4, donc sur des dimensions 21-29-7, donc ça correspond en fait à une feuille blanche standard que l'on met dans les imprimantes. Voilà, vous pouvez bien évidemment changer la taille du papier, donc passer par exemple sur un format plus grand, le format A3, ou bien diminuer au format A5, A6. Vous avez également d'autres formats, format enveloppe, carte postale. Bref, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez régler la marge, donc ici en changeant la valeur, vous voyez, si je réduis la marge à gauche, vous voyez ici, la marge bouge, et ça vous permet du coup de pouvoir ajuster cela. Donc la marge, c'est ce que vous voyez ici sur le papier, hein, donc c'est cet espace qui est ici, à gauche, en haut, à droite, et même chose en bas ici. Voilà, donc on va revenir au format de notre page, et vous voyez ici vous avez la possibilité de changer l'orientation. Donc là je suis au mode portrait, donc la feuille est verticale, mais je peux passer en paysage, et vous voyez cette fois-ci la feuille s'incline et on passe du coup à l'horizontale. Donc si je clique sur appliquer et valider, cette fois-ci voilà, mon document passe au format paysage. Si je change de page, donc par exemple j'ai rempli toute cette page là et que je passe à la page suivante, automatiquement, eh bien elle est aussi, la page numéro 2 est aussi au format paysage. Voilà. Alors si par contre je veux changer cela, justement, si je vais prendre un cas concret, donc je vais revenir donc au format standard. Ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Si par exemple, je veux, on va prendre un document, voilà, je remplis cette page-là, voilà, vous voyez, ici, donc j'ai mon document, ma première page est un document texte, voilà, automatiquement, si je passe à la page suivante, vous voyez que ma feuille est au mode portrait. Mais si par exemple, je veux, dans cette deuxième page, ajouter cette fois-ci un schéma, par exemple celui-ci. Vous voyez qu'il n'est pas très adapté à l'orientation de ma page, d'accord? Et ça serait mieux pour pouvoir faire en sorte que cette image soit plus visible, que ma page soit au format paysage. Donc je peux très bien faire comme nous avons vu, tout passer en mode paysage, mais le problème, regardez ce qui se passe. Donc pour mon image, c'est très bien, mais cette fois-ci, c'est mon texte qui va lui aussi passer au format paysage, puisque donc du coup, l'ensemble de mes pages va être orienté de la même manière. Moi, j'aurais préféré pour mon texte garder la première page dans le sens de la hauteur, donc sur un format portrait, et ma deuxième page au format paysage. Donc pour cela, je vais vous montrer la petite astuce pour pouvoir le faire. Alors pour pouvoir faire en sorte que la page suivante soit orientée au format paysage, on va tout simplement ajouter un saut de page. On va aller dans le menu insertion. Et on va se rendre dans Autre saut ici, et vous allez choisir Saut manuel. Voilà. Une fois cette fenêtre ouverte, donc vous vérifiez bien que Saut de page est sélectionné. Et ici, dans le champ Style, vous allez sélectionner le format paysage qui est ici. Et automatiquement, lorsque vous allez valider, regardez ce qui se passe, et bien cette fois-ci, vous êtes passé au format paysage. Donc à partir du saut de page que vous avez ajouté, le papier est orienté au mode paysage. Et donc cette fois-ci, je peux très bien ajouter mon image et la positionner
à l'horizontale sur cette page. Voilà. Par contre, évidemment, si je passe à la feuille suivante, hein, automatiquement, alors, du coup, vous ne l'avez pas vu, mais c'est passé juste en dessous. Alors, voilà, je vais remettre ma feuille. Voilà, donc vous voyez ici, je suis passé à la page suivante et je suis toujours en paysage. Donc, à partir du moment où j'ai fait mon saut de page, c'est toutes les feuilles suivantes à partir du saut qui vont être impactées. Donc cette fois-ci, si je veux repasser au format portrait après cette page-là, donc je veux juste laisser cette page en paysage et ensuite repasser au format standard, eh bien de la même manière, je retourne dans le menu insertion et je vais refaire un saut de page, donc saut manuel, et cette fois-ci, au lieu de mettre paysage dans style, eh bien je vais mettre style par défaut. Je valide, et cette fois-ci, alors, mon image s'est décalée, je vais la remettre ici, voilà. Et cette fois-ci, vous voyez, ma troisième page est repassée, elle, au format standard. Donc, j'ai juste cette page numéro 2 qui, en fait, est au format paysage. Et donc, toujours de la même manière, hein, lorsque je vais passer à la page suivante, d'accord, regardez, je vais rester au format portrait. Donc, voilà comment changer l'orientation pour l'ensemble du document, ou bien pour faire des changements d'orientation sur certaines pages spécifiques.